Ouais, survivant, bienvenue sur VLFR.gaming. Bon, on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le nouveau skin event. Carnaval, je sais même pas comment ils l'ont appelé celui-là. Theme Park Carnival. Donc, alors déjà, j'ai pris quelques packs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un skin event comme ça. Donc c'est pour ça que je vous refais une petite vidéo. On a notre petit skin event sur un seul état, avec un seul skin, les packs normales. Donc pour l'instant, je me suis arrêté, j'ai pris les trois premiers packs. Il me reste encore celui-là et le pack à 9000 diamants. Et après, vous avez comme d'habitude vos trois packs. Moi, pour l'instant, on va voir comment ça se passe. C'est notre premier skin event sur l'état merge. Donc on va voir comment ça se passe, si j'ai besoin de les prendre, si j'ai pas besoin de les prendre. Ça sert à rien de les prendre pour rien. Il y a un seul skin, donc pas besoin d'aller cramer votre portefeuille pour aller chercher le top 1. Top 10. Hein, tout ce qui nous intéresse, c'est le skin permanent, donc on va aller chercher le top 10, on verra ce qu'il y aura besoin de faire. Ni plus, ni moins. On a pris les deux petits packs sur le côté, comme d'habitude. Donc, ils sont vraiment, vraiment très avantageux pour le prix. Avec tout ce que vous avez, les boosts, les skins de. Les tickets de skin, les biocaps, la décoration. Je suis allé la mettre, on va aller la regarder ensemble. Et voilà, là, on est vraiment sur un skin event basique. Comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Pas plus compliqué. Vous avez. Votre petit boss, on va aller l'essayer, je vais aller vous montrer que ça fait longtemps. Votre petite semaine, alors attention, là il y a du changement. Là il va y avoir du changement, ça va être sur vos journées pour faire vos points. Vous avez, comme vous le voyez, la journée 4, utilisation du titanium et du carbone. Et la journée 7, utilisation du titanium et du carbone. Donc c'est augmenter votre aircraft. Et vous n'avez... que ça sur ces journées. Donc, pensez à garder un minimum. Alors, si comme moi, vous avez fait le clown et vous êtes allé augmenter tout, c'est pas forcément grave, sauf si vous voulez jouer le soft, ça va faire beaucoup de points. Mais comme moi, si vous avez déjà maxé, vous avez profité de tous les packs qu'il y avait hier, etc., juste garder un petit peu pour pouvoir faire des points sur les deux journées. Donc là, je vais en garder pour faire la journée 4, faire un palier et faire les paliers. Et faire les paliers de la journée 7 aussi. Mais voilà, faites bien attention parce que, honnêtement, avec par exemple tous les packs qu'il y a eu hier, on a récupéré presque 5000. Même plus que 5000. Ouais, il y en avait déjà 2 packs à 830, 2 packs à 400. 4 à 5000. Équipement de chaque, donc il y a moyen de faire énormément de points. Donc faites bien attention, économisez pour ceux qui jouent. Comme d'habitude, c'est notre petite semaine de skin event avec les 100 fragments. Donc ça, moi, je le joue pas spécialement, je préfère le laisser aux autres joueurs. Donc c'est pour ça que moi, j'ai augmenté mon aircraft. Par contre, pour ceux qui jouent, pensez à le garder. On va aller faire le petit boss. Donc moi, je vais aller spam un petit peu ici. Histoire d'aller récupérer. C'est une valise, je crois, un attaché caisse, là. Voilà, hop. On va l'utiliser, ça. Comme d'habitude, rien ne change. Toujours pareil, pour le détruire en un seul coup. C'est 3 euros. Mike, Mio et H. Et vous êtes sûr, hein. Vous voyez, même moi, hein, mec, maxé est à 21 héros gen 9. On utilise toujours ces héros-là. Et vous allez les tuer en direct, tout seul. Pas besoin, en mode automatique. Excusez-moi, en mode manuel. Et vous laissez en x3. Pas besoin d'utiliser rien du tout. Parce que de toute façon, Mio et Mike, c'est de l'immobilisation. Et vous laissez en manuel, en vitesse x3. Et vous allez plus ou moins... En tout cas, c'est avec cette équipe-là que vous allez faire un maximum de dégâts. Et pour les joueurs qui sont plus ou moins maxés ou à un gros niveau, vous allez le tuer en un seul coup. Fini. Oh, même H, elle meurt. J'avais même pas vu. H meurt. C'est la première... Oh, c'est la première fois que j'ai H qui meurt dans un boss comme ça. Enfin, voilà. Vous faites le 1 676 260.
et vous le tuez en un seul coup. Donc toujours pareil, on récupère. C'est très 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 intéressant. Rapport. Ici, voilà. Vous récupérez les 10 ballons. Oh, ils ont changé. Non. Ah, ils sont pas cool. Ça, c'est pas beau. C'est pas beau, SOS. C'est pas beau qu'ils se groupent. C'est pas cool. C'est pas cool. Je suis bien content d'être chef 60. Vous récupériez avant de l'XP et des XP de chef et des points VIP, etc. C'était très, très, très intéressant. Maintenant, on récupère que des ressources et les ballons. Mais bon, c'est plus aussi intéressant qu'avant. C'est dommage. C'est dommage. Avant, ça permettait d'augmenter très, très, très rapidement son XP de chef et de monter très rapidement au niveau 60. De gratter un petit peu de biocaps et des livres d'XP de héros, je crois. Enfin, c'est dommage. Les ressources, bof. Bof, bof, bof. Bon, tant pis. En tout cas, il y a toujours les 12 ballons à récupérer à chaque fois. Donc ça, faites bien attention à faire un maximum de points. Sinon, voilà, ni plus ni moins, on a notre petite semaine. On va aller regarder les petits skins. De toute façon, vous pouvez tous le voir aussi. Nous avons ce skin-là, donc qu'un seul, vu extérieur. Il n'a pas l'air un petit peu plus petit. Mais une taille intermédiaire, il a pas l'air si moche que ça. À voir ce que ça donne. La petite voiture de déploiement, la Nanami Theme Car. Et le cadre, pareil, vous l'avez, vous le voyez, pas la peine que je vous le mette, ni plus ni moins. Pour récupérer la voiture, tout simplement en top-up. Donc là, moi, j'ai pas encore fini parce que j'ai pas forcément de pack qui m'intéresse. Donc tout simplement en top-up, donc vous avez la semaine. Et il vous suffit simplement d'acheter pour 30 000 biocaps. Tout simplement. Et donc là, apparemment, il me reste 5 000 à acheter. Et c'est fini, je dois être à 25 000. Donc, de toute façon, vous la verrez dans la semaine. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait aller vous prendre, histoire de vous la montrer? Il y a quoi? Il y a rien qui maintenant. Il y a rien, je suis désolé. Il y a rien. Il y a rien. J'attends des packs d'aircraft ou peut-être un dernier pack de médailles. Mais là, j'ai rien de très intéressant. Bon, au pire, on va aller vous prendre ça. On va aller vous prendre ça. Ah, c'est des badges. Non, bah non, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on pourrait vous prendre? Qu'est-ce qu'on pourrait vous prendre? On va pas faire le difficile. Un Vito, c'est pas comme si on les prenait pas. Il ou les Bumble, Battle Bumble, hop. Et voilà. Fini, top up, fini, on récupère la voiture, on va aller la mettre tout de suite, on va aller l'essayer, on va voir ce qu'elle donne. La Nanami Car Activate Use, et on va aller essayer ça tout de suite, on va voir ce qu'elle donne. Voyons voir un petit peu ce qu'elle donne, et on va la mettre sans l'avion, pour pas que ça nous gêne. Alors, la Nanami Car... Elle est pas dégueulasse, on dirait une Hot Wheels. Elle est vraiment pas dégueulasse. Avec les gens trop, j'aime bien. Elle est sympa. Et avec les héros qui sortent. Non, ça va, elle est cool. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. On récupère un skin event simple, facile, tranquille. Juste sur un seul état. Donc voilà, juste faites attention. Attendez toujours le dernier jour, ça rapporte plus de points. Ça sert à rien d'aller cramer vos items directement le premier jour. Moi je le fais, c'est juste pour pouvoir vous faire la vidéo, vous montrer. D'ailleurs on va aller regarder la décoration avant d'y aller. Ni plus ni moins. Mais sinon le dernier jour, vous savez que le top drop est plus important. Donc attendez le dernier jour, n'oubliez pas. Bon, on va aller voir la petite décoration. Je vous l'ai mise, elle est où? Elle est ici. Ça va? Elle est pas dégueulasse. Et on en a une autre à récupérer. Ça va être sur notre petit calendrier. Ici, elle est où? Là, les jolis ballons, on verra. Elle m'a pas l'air très très grosse, mais on verra ce que ça donne. Donc voilà, ni plus ni moins. Un petit skin event, comme à l'ancienne, ça fait du bien au portefeuille, ça fait plaisir, et ça va nous permettre de voir un petit peu ce que ça donne maintenant sur les états merges, voir jusqu'où ça monte, combien il y a de gros cash players, si le top 10 est accessible ou s'il est cher, on verra bien. On verra tout ça, je vous ferai une petite vidéo débriefing en fin de semaine. Bon, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Oh, grande vidéo, 10 minutes. Ah, Vito, tu parles trop longtemps. C'est pas bien, ça.
Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!